Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Fille de Maman, où je vais partager avec vous quelques instants de ma journée. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire merci à tous pour vos réactions sur mes précédentes vidéos, sur vos réactions sur ma dernière vidéo. Franchement, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos messages bienveillants. Merci également pour les astuces que vous partagez avec moi. Vraiment, ça m'aide beaucoup au quotidien. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît, likez la vidéo, donnez le like, like la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche notification pour être informé de quand je publie une nouvelle vidéo. Là, nous sommes dimanche, je reviens de l'église, tel que vous l'avez vu. Et hier samedi, je suis allée me faire les crochets. C'est un style de tresse, on natte là, et puis on prend juste ça, on accroche. C'est quelque chose qui fait un maximum de 45 minutes, franchement. C'est le top du top en ce qui concerne la vie de maman. C'est le top du top. 45 minutes pour se coiffer. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. C'est joli. C'est rapide. C'est joli. Mais quand on regarde de plus près, on sait quand même que ce n'est pas des trucs qui ont été piqués. Donc c'est quand même différent de quand on pique les rastas. Mais c'est là. C'est quand même là. Je fais ma miss. C'est la taille qui m'a manqué pour être une miss. En tout cas, je suis miss dans ma tête. Miss maman. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Je suis en train de rire comme ça, les amis. J'ai mal à la dent. Comme vous avez vu au début de cette vidéo, j'étais chez le dentiste. Je suis allée chez le dentiste à l'hôpital Adventiste. Donc, ce sont les dentistes là-bas où je suis partie en tout cas. Donc, je suis allée là-bas parce que j'ai une dent ici qui me fait mal. Il fut une année, j'avais une chair qui poussait ici là. Le chirurgien bucco-dentiste a coupé et m'a dit que cette dent-ci, je devais la soigner. Je devais aller soigner cette dent-ci. J'ai traîné avec. Finalement, c'est quand ça a commencé à me faire mal que je suis allée voir le dentiste. Donc, cette dent-ci, on a soigné, on a détartré mes dents et j'ai un deuxième rendez-vous pour continuer les soins de cette dent-ci. Donc, cette dent-ci, ça fait mal. Voilà, ça me fait mal. Donc, même comme je ris comme ça, j'ai des problèmes. Voilà. En plus de ma dent, j'ai une autre situation. Ma fille aînée, Dana, elle est descendue jouer avec les enfants du voisin. Ils ont porté les gros trucs en béton. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais vous mettre ça là dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Ils ont porté ce truc-ci. Ils ont déposé pour faire les goals en bas des escaliers. Les garçons sont en train de jouer au ballon avec ça pour faire les goals. Les enfants, je ne sais même pas où ils ont pris la force pour porter ça. Elle aussi, elle était à côté. Au lieu même de mettre les tennis pour aller jouer. Non, le truc est piqué, c'est tombé sur ses pieds. C'est tombé sur ses trois orteils. J'ai partagé ça avec vous sur Instagram. Pour les mamans qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller. C'est vrai que je ne suis pas très présente, je ne publie pas tout le temps, mais je suis quand même là. Et ça me fait plaisir de vous lire quand je publie quelque chose. Voilà. Et aussi, si vous êtes nombreux là-bas, certainement, ça va vous motiver à essayer de produire aussi du contenu de ce côté-là. Donc, c'est tombé sur ses pieds. Je n'étais pas à la maison. Comme ce sont les vacances, mon petit frère est là. J'ai deux vacanciers. Mon petit frère est là, ma cousine, elle est là. Les deux étaient en train de visionner un film. Ils ont demandé à Dana et elle d'aller dans la chambre pour jouer avec leurs jouets. Au lieu de se diriger vers la chambre, les dames se sont plutôt dirigées vers dehors. Et comme ceux-là aussi étaient concentrés sur leur télé, elles sont parties jouer au ballon avec les voisins en bas. Donc elles sont descendues. Et c'est comme ça que ce sont les cris qui ont allaité les deux qui étaient là à la maison. Moi, on m'a appelé, je n'étais même pas là. Il fallait donc courir, venir, l'amener à la clinique d'à côté. C'était les affaires de 17h20. Courir, venir, l'amener à la clinique d'à côté.
On revient même à la maison, elle continue de sauter avec le pied. On s'est encore retrouvé à la clinique à 21h parce que ça saignait. Donc là, aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du prochain pansement. Donc je vais l'amener à l'hôpital pour le pansement. Là, je vais revenir cuisiner. Je vais faire le macabo râpé, quoi, coucou. Et je vais partager quelques instants de cette cuisine-là avec vous. Mais elle ne sera pas entière parce que j'ai une vidéo déjà où je fais le quoi coucou. Donc je vais vous mettre la vidéo dans le petit i ou bien en description pour que vous puissiez aller regarder s'il y a des étapes qui manquent dans celle que je vais partager ici avec vous. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle va vous motiver. J'espère qu'elle va nous soutenir tout dans la vie de maman parce que la vie de maman là, ce n'est pas facile. Avoir des enfants, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est tout. Mais les urgences, les accidents domestiques, les si. Heureusement qu'on a une clinique au Kachou. Et non loin, on a aussi le centre de district de l'arrondissement. Voilà. Et j'ai demandé à l'infirmière qui s'occupait de ce pied si c'est nécessaire que je lui injecte l'anti-tétanique. C'est anti-tétanique ou anti-tétanos. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce qu'on dit ça. Il m'a dit que là, ce n'est plus nécessaire parce que je lui avais déjà injecté ça il y a cela 3 mois. Il y a 3 mois, elle s'est blessée dans la chambre. Dans leur chambre, même pas dehors. Dans leur chambre, elle s'est blessée. Je suis seulement venue la trouver avec le sang sur le talon. Donc, ne sachant pas ce qu'il a vraiment blessé, comme elle sautait, il paraît que c'est la plaine. Vous m'avez dit qu'on appelle ça plaine. Il paraît qu'elle a sauté, son talon a atterri sur la plaine du mur là et elle s'est blessée selon ce qu'elle m'a expliqué. J'étais moi à la cuisine, elle était dans la chambre. On a fait le pansement de cela et le médecin, heureusement ce jour-là, j'avais trouvé le médecin. Et le médecin a dit de lui faire l'antitétanos une certaine dose là. Donc j'ai acheté tout, on a enlevé la dose qu'il fallait et on a acheté le reste. On a acheté le reste. Et là maintenant, ils m'ont dit que ce n'est pas nécessaire de lui mettre l'antitétanos parce que premièrement, on lui a mis ça il y a à peine 3 mois. Deuxièmement, c'est un truc qui est tombé sur le pied. C'est le béton qui est tombé sur le pied. Donc, je ne sais pas. Et comme le tétanos, c'est quelque chose qui se trouve dans la poussière, je crois que je vais encore appeler mon ami médecin pour confirmer. Parce que moi, je préfère qu'on me confirme les choses, même chez deux médecins. Il ne faut pas qu'on ne doit pas mourir vivant, on doit se renseigner. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. L'intelligence pour pouvoir analyser les situations, comprendre les situations. Si on a un petit doute, même si c'est qui a dit, ce n'est pas Dieu. On se renseigne. Tant qu'il y a des doutes là, on se renseigne jusqu'à ce qu'on ait la bonne information. Vaut mieux ne pas faire en sachant que lui, je n'ai pas fait parce que j'avais la bonne information. Au lieu de rester comme ça et après pleurer. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous amène avec moi dans la vidéo. Vraiment, les filles, je ne connais pas faire des vlogs. Je ne connais pas. Chaque fois que je dis que je vais faire un vlog, je commence la vidéo, j'abandonne. Je commence, j'abandonne. Donc, je suis sûre qu'après, là, je vais revenir faire la voix off pour terminer la vidéo. Chaque fois que j'essaye ça, ça me dépasse. Ça me dépasse, donc. J'espère que je vais y arriver un jour. J'espère que je vais y arriver un jour. Dans la vie. La danse. Tu marches comment? Regarde. Si tu veux descendre un jour, pas tes orteils avant. On ne t'empêche pas de jouer. Si tu veux descendre un jour, tu mets les tennis. Tu me suis bien. Tu mets les tennis. Si tu avais les tennis, ça n'aurait pas fait plusieurs orteils comme ça. Ça n'aurait pas fait aussi mal. Maintenant, ton ongle va sauter. Hein? Tu sais que l'ongle là va sauter, non? Voilà. C'était bon jusqu'à je suis venue à la cuisine chercher le reste.
crudité sucrée avec la nana. Avec la nana dedans. Maman, moi, tu mets ça. Le vinaigre. C'est le vinaigre, ma fille. Je mange comme ça. Après, il va dire que je fuis le poids. Je fuis le poids. Il y a l'huile dedans. Il y a la mayonnaise. Il y a l'avocat. Tu fuis le poids ou que tu fuis le poids? Je fuis le poids. Mais il mange. Merci, chérie, pour la crudité. C'est trop bon. Merci pour le poids. Voilà, nous sommes revenus de l'hôpital. On a bandé cette fois-ci deux orteils parce qu'il y a un orteil qui est déjà en train de guérir, plus besoin de bander. Donc là, je me suis changée pour aller à la cuisine. Je vais faire le macabre râpé comme je vous ai dit et je vais le faire au feu de charbon. Donc, allons-y.
Ça y est, le macabre est au feu, j'ai trempé les arachides. Maintenant, je vais débarrasser un peu tout ça, mettre la cuisine un peu propre, nettoyer certainement les ustensiles que j'ai utilisés pour le macabre, puis venir apprêter tout ce qu'il faut pour la sauce d'arachide blanche. C'est le macabre râpé sauce d'arachide blanche, quoi, coucou. Donc, on continue. Ce truc-ci, la couleur de la carotte ne sort plus. C'est calé. Rien à faire. Ça, c'est la saison pluvieuse chez nous. Donc, je souffre beaucoup de rhinite. Donc, j'ai la rhinite allergique. Du coup, j'achète ce mélange de ginger, ail, eucalyptus. Bref, c'est beaucoup de choses pour soigner les problèmes respiratoires. En même temps, c'est un mélange qui est supposé faire perdre du poids. Tout à l'heure, à la clinique, j'ai été choquée. Choqué d'être monté sur la balance et constater que j'ai pris 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos de ventre, tout. Aïe! Je dois me mettre au sport. Les bras.
Je savais que j'avais pris du poids, mais pas autant. Je ne savais pas que j'avais pris jusqu'à 7 kilos. En janvier que je me suis pesée, à aujourd'hui, 7 kilos. Excès de nourriture. Et pendant les vacances, si la nourriture va encore faire fort, aïe, 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 faut que je me mette au sport. Je dois sortir plus les matins, aller courir. Je vais laisser le sommeil à qui? Hey! En tout cas, mon coucou est déjà prêt. Maintenant, j'attends juste que la sauce aussi soit prête. Donc, la sauce est en train de cuire sur le charbon. Vous aurez constaté que j'ai fait une sauce sans huile. La sauce blanche, je l'ai fait sans huile. Donc, je n'ai pas fait frire les oignons. J'ai juste tout écrasé et fait bouillir. Avec l'huile qui est devenue vraiment chère, chère. Quand j'ai l'occasion d'économiser un peu, vraiment, je le fais. Déjà, je fais trop de fritures. Du coup, l'huile ne dure pas chez moi. L'huile finit. Je peux verser toute une bouteille dans la marmite ou dans la poêle pour faire frire quelque chose. Donc, quand j'ai l'occasion d'économiser, je n'hésite pas. Donc, maintenant, si je fais la sauce gombo sans huile, sous forme de bouillon, je fais la sauce du macabo râpée sans huile. Je fais ça comme vous avez vu là. Et ça sera vraiment bon. Ne vous inquiétez pas. Quand on mélange tous les condiments comme ça, on met dans la marmite, vraiment, c'est super bon. Déjà que les arachides même ont de l'huile. Il y a aussi la sauce d'arachide grillée que je fais sans huile. Ou bien je mets juste une petite cuillère d'huile pour faire frire un peu d'oignon et le reste d'oignon j'écrase. Donc je suis en train de me battre pour réduire l'huile dans certains repas. Vu que je ne peux pas vraiment réduire les fritures, vraiment. Les fritures c'est ma vie. Pommes, plantains, poissons, poulet. Ce qui est fait frire là, c'est mort. Du coup, je préfère économiser l'huile dans les repas comme ça. Donc, dès que la sauce là va cuire, je vais porter, poser ici sur la cuisinière et aller me laver. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée pourtant aujourd'hui. Je n'ai pas trop travaillé. Je n'ai même pas fait grand chose. Mais je suis fatiguée. Donc, je vais aller me laver et on va manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé à faire quelque chose. J'espère que partager mon quotidien avec vous vous apporte un tout petit peu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à partager pour me soutenir, pour que la communauté puisse grandir et à me laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo.
Les amis, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.